Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une taille de structure sur cet Era Burger. Alors cet érable, on l'avait déjà vu sur la vidéo sur l'intérêt de faire une marcotte, parce qu'effectivement j'avais fait une marcotte sur cet arbre, il avait une base très carrée. Là on peut voir des images de la base, et du coup on est reparti un peu plus haut sur le tronc pour en fait reconstruire de zéro son ébari. Le fait qu'il y ait eu une marcotte, et bah du coup il y a plein de petites radicelles que j'ai pu en fait mettre vraiment en forme d'étoile, et je l'ai mis dans un bac de culture pour qu'il racine énormément. Et du coup on part sur une bonne base pour avoir un futur joli nébari. Donc ça c'était une première étape, construire un bon nébari, avoir une bonne base. Donc ça c'est un travail qui va durer plusieurs années. Et puis en parallèle on a aussi du coup la structure de l'arbre à travailler, c'est-à-dire l'emplacement des branches, leur mouvement, leur diamètre, leur ramification, etc. Ça c'est ce qu'on va essayer de continuer aujourd'hui. Voilà, donc juste pour l'historique de cet arbre, en fait je l'avais acheté à un propriétaire qui l'avait cultivé en pleine terre pendant plusieurs années, donc il a fait des tailles successives pour construire une conicité. On voit en fait certaines grosses coupes, notamment ici et ici. Là on peut deviner que c'était en fait la continuité de l'arbre, en fait ça a été coupé à cet endroit là et puis c'est reparti en fait sur la gauche, et ça crée en fait des mouvements à chaque coupe. Donc c'est un travail qui a été plutôt bien fait. Une fois qu'il a été sevré, il a été mis dans ce bac de culture sans aucune intervention, pour qu'on soit sûr qu'il reprenne. Et effectivement il a super bien repris, parce que là on a des tiges assez énormes, notamment sur la tête, ça fait plus d'un mètre de haut, donc on est sûr qu'il a bien repris. On peut passer à la suite. Donc la suite, justement, en parallèle du travail du nébari, hein, parce que ça c'est pas terminé, hein, c'est pas que je l'ai sevré et que j'ai mis les racines à plat que c'est terminé. Il faut que je continue au fur et à mesure. En fait, hein, j'avais appliqué pas mal de sphaigne autour du collet pour être sûr que les racines puissent avoir de l'humidité pendant toute la période de pousse. Et ça a bien fonctionné en fait. Hein, si on rate un peu, on voit vraiment des petites racines un peu partout. Bon, il y en a encore qui ne sont pas totalement perpendiculaires au tronc. Il y en a qui retournent un peu. Donc au prochain rempotage, il y aura un peu de nettoyage à faire. Mais on part déjà sur une bonne base. Sur une meilleure base en tout cas que ce qu'il y avait avant. Au niveau de la face avant et la ligne de tronc, donc là je me suis placé à peu près à cet endroit-là. Donc avec un mouvement qui part d'ici, une petite courbe ici, et puis après bah, c'est à ce niveau là après qu'il y a un petit souci, parce que je trouve que c'est très droit, et du coup il va falloir que je trouve une solution pour vraiment déterminer la future structure, la future hauteur de l'arbre. Est-ce que par exemple je coupe de manière drastique à ce niveau là pour repartir et reconstruire quelque chose de plus conique, parce que là c'est vrai qu'on a un beau diamètre ici qui diminue, mais entre ici et ici bah, je vois pas beaucoup de différence, et ça c'est dommage. Au niveau des systèmes secondaires, du coup, sur les branches, on a cette première branche qui est très bien placée. Bon, après, il y a cette coupe qu'il va falloir rattraper, parce qu'il y a une espèce de bourrelet cicatriciel qui est un peu moche. Donc, il va falloir rattraper ça. Par contre, ce qui est amusant sur cet arbre, c'est qu'il a beaucoup de ramifications. Et à ce stade de culture, moi, je travaille encore sur les systèmes secondaires et je ne suis pas encore au stade de travailler sur la ramif. Donc ça, il va falloir revenir un peu en arrière. Et puis de toute façon, ça sur cet arbre, on voit que ça réagit très bien, donc il n'y a pas trop de soucis à tailler, parce qu'on va avoir ensuite un fort bourgeonnement en arrière. Donc là, je fais ce travail là au mois de décembre. Tous les jours, on est au-dessus de 10 degrés, donc il n'y a pas de soucis. Donc aujourd'hui, le programme, c'est de faire une taille de structure pour revenir en arrière, calmer en fait hein, les tirs sèves, et retravailler sur la structure, c'est-à-dire vraiment être sûr de chaque branche. S'il y en a qu'on ne va pas utiliser, bah je vais les supprimer. Et puis déterminer vraiment la structure primaire, déterminer exactement ce que je vais garder de la branche. Et s'il y a une partie qui ne m'intéresse pas, et bah il va falloir que je revienne en arrière. Donc ça, on va faire ce travail sur ces différentes branches. Et puis également prendre une décision sur la tête pour voir à quel niveau on va s'arrêter. Donc comme d'habitude, on va se rapprocher et puis on va faire le détail de chaque coupe. Donc là déjà, je vais nettoyer un peu le pot. Donc là, on a cette première branche. L'embranchement est assez bon. On a un mouvement. Et puis en fait, il y a des ramifications qui se font plutôt bien en arrière. Par contre, c'est vrai qu'il faut travailler sur le diamètre. Donc là, on a un premier gros diamètre.
Là, ce diamètre-là, il est un peu plus petit grâce à la coupe qui avait été faite ici. Et ensuite, le diamètre diminue au fur et à mesure. Et c'est vrai que sur cette partie-là, il est assez constant. Donc il va falloir qu'à un moment, je taille pour revenir sur des petits diamètres. Donc, par exemple, à ce niveau-là, là, j'ai un diamètre constant en fait jusqu'à ici. Là où il y a eu en fait une coupe, je vois qu'il y a des branches qui se sont formées en arrière. Donc là, je vais pouvoir tailler assez facilement à ce niveau-là, en gardant un peu de marge pour le retrait de sève. Et du coup, on va repartir sur cette branche-là. Donc là, c'est la même chose. À ce niveau-là, je ne vais pas garder toute la longueur. Je vois qu'il y a un bourgeon en haut et un bourgeon en bas. Donc je peux couper à ce niveau-là. Et puis les deux, normalement, vont s'activer. Après, il faut que je fasse une sélection aussi des mouvements de branches. C'est-à-dire que tout ce qui pousse vers le haut ou vers le bas ou vers le tronc, ça, c'est des choses qu'il faut que je supprime. Donc, par exemple, là, si on regarde cette branche-là, donc là, bon, elle est latérale, elle est vraiment à 90 degrés de la branche. Ensuite, on en a une très droite qui se divise en deux. Donc là, il y a une partie, a priori, c'est mort. Donc ce qu'on peut faire, c'est juste gratter à ce niveau-là et voir si c'est vert. Et effectivement, là, c'est pas vert. Donc ça, c'est une partie qui a séché. Donc ça, je peux couper. Et ensuite, cette partie-là, elle se divise en deux avec une espèce de ramification à 180 degrés. Là, ça n'a pas trop intérêt. Ça fait pas du tout naturel. On a cette partie-là. Et puis des ramifications à ce niveau-là, mais qui sont dans des mauvaises directions. Donc là, je pense que le mieux, c'est de supprimer cette partie-là. On attendra que ça repousse. Je vois deux bourgeons ici, latéraux, qui vont pouvoir sûrement se développer ici. Donc ensuite, on continue. On arrive sur une ramification à ce niveau-là. On se rapprochera de cette partie-là, on ne voit pas très bien. On continue ici. Donc là, c'est ce qu'on avait taillé à ce niveau-là. Alors ensuite, on a cette petite branche qui pousse, assez longue. On voit un bourgeon en fait qui revient un peu vers l'avant, donc ça c'est là-dessus que j'aimerais repartir pour qu'il y ait ce type de mouvement. Ça, du coup, je supprime. Donc là, on arrive en bout de branche. Évidemment, on ne va pas tout garder parce que là, ça va vraiment trop loin. Et puis là, il y a un espèce de tube qui fait le même diamètre. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est repartir sur ces deux ramifications, ici et ici. Le fait de couper, ça va ramener l'énergie en arrière, donc on aura potentiellement des ramifications sur les parties où il n'y a pas de branche encore. Et puis ça va aussi faire développer les petits rameaux que j'ai laissés autour. Alors là, on arrive sur une partie que j'aime pas trop parce que là, on a un tube parfaitement droit et ça se ramifie en fait complètement sur le côté. À la limite, cette branche, elle revient carrément vers le tronc, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc moi, ce que je vais faire, c'est profiter des bourgeons latents sur cette branche-là pour revenir en arrière. Donc là, je coupe à ce niveau-là. Et là, ce que je veux, c'est que justement, ça se ramifie un peu plus en arrière. Moi, je raisonne en fait vraiment par petits morceaux. Hein. C'est-à-dire que tous les 1 ou 2 cm, je veux qu'il y ait un changement de direction. Donc dès que je vois un tube, eh ben, il faut que je le supprime. Donc là, maintenant qu'on a nettoyé cette branche, j'y vois plus clair et il faut vraiment que maintenant je travaille sur la conicité et les différents diamètres. Et là, le gros défaut que je vois, c'est que entre ce niveau-là et ce niveau-là, je vois pas une grosse différence de diamètre. Il faut vraiment qu'en fait, on ait un gros diamètre ici, un moyen, un petit, un fin, un très fin, etc. Il faut vraiment que ça se ramifie au fur et à mesure. Et là, pour l'instant, on a quand même des tubes assez gros. Je vois un gros, un moyen, un petit ici, donc ça c'est vraiment la première ramification intéressante. Alors ce diamètre là est à peu près équivalent à celui-ci, on le voit peut-être pas bien sur la vidéo, et du coup c'est sur ce type de diamètre là que je vais continuer à ce niveau là. Donc tout ce qui est supérieur à ce diamètre, c'est-à-dire tout ça, il va falloir que je supprime. Et là du coup on va partir sur quelque chose de beaucoup plus simple, avec une première ramification et puis une deuxième ici. Et toujours avec une diminution de diamètre. Ça paraît drastique, mais on a l'avantage de créer dans le futur une branche qui va être parfaitement conique, et c'est ce qui fait la beauté d'un arbre. Alors sur cette branche, donc qui est à l'opposé de la première, l'embranchement est assez intéressant. Par contre, c'est vrai que là aussi, on a le même problème, c'est qu'on a un tube du même diamètre. Donc il va falloir vraiment revenir sur une ramif un peu plus fine. Alors quand on a un peu peur de trop tailler, moi ce que je fais, c'est que je fais partie par partie. C'est-à-dire que les parties évidentes, par exemple à ce long tube à ce niveau-là, déjà je le supprime. Hop, et ça me permet au fur et à mesure d'y voir plus clair.
Là, c'est pareil, cette tige-là, du coup, je garde un bourgeon, je coupe, voilà. Et du coup, j'y vois un peu plus clair. C'est à ce niveau-là, après, que je peux prendre des décisions sur le niveau de branche que je garde. On a quand même un tube assez droit. Et pour que ça se ramifie, il va falloir vraiment que je revienne sur quelque chose de beaucoup plus simple. Donc là, on se met au-dessus. Le problème, c'est que du coup, voilà, on a une partie droite. On a une partie qui va à gauche, mais vraiment à 90 degrés. Donc là, on a encore ce fameux 90 degrés qui plaît pas. Donc déjà, tout ce qui va vers le tronc, bah, je supprime. Déjà, il faut que je regarde par rapport au diamètre. Donc là, on a un diamètre constant jusqu'ici. Donc là, moi, ce que je fais sans réfléchir, c'est que je coupe au moment où il y a une ramification. Donc c'est-à-dire là et là. Hop, je supprime. Cette partie-là, de toute façon, elle ne me plaît pas parce que c'est vraiment un tube droit. Il faudrait qu'au moins je garde juste une partie et puis après que je profite de la ramification pour repartir sur une autre direction et ainsi de suite. Là, le fait de garder ce tube, ça sert a priori à rien. Ce que je peux faire en intermédiaire, c'est couper à ce niveau-là pour qu'éventuellement il y ait des bourgeons en arrière et ensuite que je recoupe en arrière. Mais là, clairement, je peux pas tout garder parce qu'on n'a aucune conicité ici. Là, la seule ramification où il y a une diminution de diamètre, bah, elle est ici, et le problème c'est qu'elle part complètement à gauche, ça va pas du tout. Donc ça, cette partie, on peut pas la garder. On sait qu'il y a des bourgeons latents qui vont repartir en arrière, et il faut pas garder des choses qu'on va pas utiliser de toute façon. Donc là, moi, je coupe la totalité. Donc on verra comment ça va réagir. Dès qu'il y aura de toute façon une branche qui va se créer sur ce moignon, bah, on sera bon pour repartir en arrière. Alors là, on arrive sur la branche qui est à l'opposé de celle qu'on vient de faire. Du coup, on a à peu près le même problème. Hein. C'est vraiment un tube droit avec peu de mouvement et puis des ramifications qui vont du coup vers le haut ou vers l'intérieur de l'arbre. Donc là, il n'y a vraiment rien à garder. Donc là, on va devoir garder qu'une petite partie. Par contre, je vois qu'il y a des bourgeons à ce niveau-là. Donc ça va pouvoir se développer. Voilà. Bon, c'est assez drastique, hein, mais de toute façon, on m'a toujours dit qu'un érable, c'était des dizaines d'années de travail. Donc revenir en arrière sur des ramifications existantes, c'est des choses qu'il faut faire et il faut être prêt à le faire. Et je suis sûr d'ailleurs qu'on pourrait aller encore plus loin. Mais comme j'ai pas des dizaines d'années d'expérience, je peux pas savoir exactement à quel niveau je dois couper pour avoir des ramifications à tous les 1 cm par exemple. Donc ça, c'est des choses que je vais apprendre au fur et à mesure. Là, par exemple, sur ce type de branche, je vais voir comment ça va réagir et ça me permettra d'évaluer un peu à peu près sur cette espèce le type de moignon qu'il faut laisser pour ramifier. Alors là, on va passer sur une branche assez complexe. D'ailleurs, j'en ai profité pour mettre un petit parasol parce que finalement, il y a pas mal de soleil et je pense que ça a dû saturer pas mal sur le fond blanc. Donc là, on est à l'ombre, c'est un peu mieux. Et comme il y a beaucoup de choses à voir sur cette branche, ça sera mieux. Donc là, c'est pareil, on a un embranchement qui est correct. Par contre, là, on a un tube, encore une fois, là, totalement droit. Et puis des ramifications qui repartent en arrière, qui partent totalement à gauche. C'est dommage parce qu'il y a énormément de ramifications qui ont été faites. Et bah, pour rien, en fait, parce que là, c'est ça, un tube comme ça, là, qui fait au moins 4 cm droit, ça n'a aucun intérêt s'il n'y a pas de ramification. Mais là, il n'y a rien du tout. Donc là, il va falloir forcément tailler pour faire rebourgeonner en arrière. Parce que là, si on continue comme ça, toutes les branches vont continuer à se ramifier loin, mais ici, il ne se passera jamais rien. Donc là, ce que je vais faire, c'est déjà nettoyer. Donc là, je vais retirer tout ce qui est évident. Là. Ça, cette partie, je supprime. J'essaye de rogner un peu là, une ancienne coupe, là, de la planir. Ça, cette partie qui va totalement à gauche, c'est pareil, je supprime. Je me suis rapproché pour qu'on voit un peu plus vu de haut, parce que là, on voit ces deux ramifications. Mais alors, elles sont très 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 proches. Et là, je vois pas trop ce que je peux garder. Alors déjà, toute cette partie-là, on peut supprimer. Ça a le même diamètre. On arrive à une ramification. Donc là, le diamètre diminue grâce à cette branche-là et ce bourgeon. Par contre, ici, c'est le même diamètre. Donc là, on ne garde pas. Et puis ça croise en fait l'autre branche. Et puis là, c'est pareil. Sur cette partie-là, on va garder que 2 cm. Donc là, ça, c'est une première étape de nettoyage. Mais ce serait moi, là je vois par exemple ici un bourgeon latent, j'en vois un autre ici, et en fait c'est sur ce genre de bourgeon qu'on doit continuer la branche. On a une partie là, et ben on aura une autre partie là avec un diamètre un peu plus fin, etc. Et qu'il va falloir laisser tiger parce que du coup là le diamètre est un peu
est un peu faible. Je vais préférer plutôt faire une taille drastique et puis profiter ensuite des bourgeons latents là, qu'on voit très bien se développer. Donc là pour cette branche là, c'est pareil, on a encore une partie droite avec un petit mouvement comme ça sur la droite. Et là c'est intéressant parce qu'on a une ramification ici qui descend et qui va sur la gauche. Donc là on peut se dire qu'on peut faire un mouvement comme ça en coupant cette partie là. Évidemment là-dessus on va pas tout garder. On voit des bourgeons à ce niveau là, donc on peut couper devant. Là j'ai changé d'angle pour qu'on voit un peu plus vu de haut là ce qu'on a fait. Du coup on a coupé un tube qui partait par là. Donc là on a une branche en fait qui a tendance à descendre avec cette partie là. Et puis on voit encore pas mal de bourgeons latents. Donc là ce serait moi, je vais couper juste en arrière pour repartir encore après sur des bourgeons en arrière. C'est assez drastique. Alors là on arrive sur peut-être la deuxième plus grosse branche de l'arbre. On a une grosse différence de diamètre par rapport à toutes les autres qu'on a faites. Donc là il va falloir revenir énormément en arrière. On voit l'effet de la coupe, ici j'avais coupé à ce niveau là. Et il y a eu du coup deux bourgeons qui se sont développés, là, les deux qu'on voit. Par exemple celle-ci elle fait 1 mètre de haut et on voit le diamètre important qui s'est créé. Et du coup ça a fait aussi grossir énormément cette base. Moi j'aurais pu anticiper par exemple en me disant que là je vois qu'il y a une grosse branche qui se développe. Et ça va pas le faire pour le diamètre qui est là, donc j'aurais pu la couper plus tôt. Mais j'ai tout laissé développer, comme je vous avais dit, parce que j'avais marcoté et je voulais être sûr que l'arbre reprenne totalement. On a un mouvement plutôt intéressant, parce qu'on ne le voit peut-être pas bien, mais là ça part un peu à gauche, ça revient à droite, et puis là on pourrait repartir sur cette petite branche. Donc je me suis rapproché juste après cette coupe-là, et là du coup on voit ces deux ramifications. Donc je vais juste vérifier si celle-ci est toujours vivante, mais là j'ai l'impression que c'est quelque chose de mort en fait. Donc ça, cette partie on pourra pas l'utiliser. Alors à ce moment là je vais couper à ce niveau là comme ça on repart là dessus et là dessus on va pas garder toute la longueur. Hop. Donc à ce niveau là on est assez haut, on est vraiment au niveau de la future tête que j'aimerais faire. Donc là on va devoir tailler de manière très 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 drastique, parce que c'est pas forcément des branches qui vont rester dans le design final de l'arbre. Donc là on va pas trop réfléchir. Ici, donc là j'ai une ramification qui est intéressante. Ici aussi, donc là je coupe à ce niveau-là. Ça va être le même principe sur tout le reste. Donc je vais faire ça assez rapidement. Hop. Couper chaque ramification de manière drastique comme ça. Finalement ça suffit. Voilà, donc là on a fait la taille de structure sur chaque branche en raisonnant vraiment sur les branches. Maintenant ce que j'aimerais faire et ce que je n'étais pas capable de faire avant de faire cette taille, parce que du coup il y avait beaucoup beaucoup de branches, c'est essayer de travailler sur le système primaire. Donc là on se dit c'est bizarre, on revient en arrière, le système primaire je croyais qu'il était fait, maintenant on était sur le système secondaire avec les branches. Mais en fait, non, on peut toujours revenir sur le système primaire, surtout après une taille comme ça drastique, où on a enlevé pratiquement toute la ramification. Donc là, maintenant, retravailler sur le système primaire, c'est beaucoup plus facile maintenant, après avoir fait cette taille, parce que déjà, on a des choses très simples à voir, à analyser, c'est vraiment des débuts de branches, et aussi, on n'est pas gêné par toutes les tiges qui nous empêchent de voir l'arbre simplement. Si je me mets en face, je vois bien la ligne de tronc qui est bien dégagée, et du coup c'est ça que je vais essayer de vous montrer. C'est qu'en fait on a une ligne de tronc intéressante avec une belle base, un beau mouvement de départ ici aussi, avec un diamètre qui diminue au fur et à mesure, et à ce niveau là on a en fait un diamètre presque constant jusqu'ici. Et c'est dommage parce qu'on a une belle conicité au départ et puis après on a quelque chose de constant. Est-ce que je suis hyper drastique et je coupe vraiment à ce niveau-là pour repartir sur une future tige qui fera la continuité et qui aura du coup un diamètre un peu plus fin, donc là on aura vraiment une belle conicité, ou est-ce que je laisse comme ça et je verrai comment l'arbre réagit au fur et à mesure. Ça il va falloir que je prenne cette décision aujourd'hui. Donc je vais me mettre en face de l'arbre et je vais bien regarder le mouvement qui m'intéresse et à quel moment ça l'est plus. Alors en même temps, j'essaye de revoir les coupes que j'ai faites sur les branches. Il y a toujours des choses à améliorer. Donc là, en fait, moi, pour le projet de l'arbre, j'ai pas forcément envie de réduire sa taille. La hauteur est convenable, quoique elle est un peu trop haute.
Et moi, je dirais que voilà, ce serait la taille finale de l'arbre. Par contre, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler une partie de la tête pour revenir en arrière, mais refaire pousser après une partie pour avoir une bonne conicité et puis pour arriver à la bonne hauteur. Donc là, ce qui va être bizarre, c'est qu'on va revenir en arrière, donc on va réduire la taille de l'arbre, mais c'est pour le refaire pousser en fait. Donc là, le but du jeu, c'est de trouver un bourgeon ou un emplacement de branche qui correspondrait à peu près à la continuité de la ligne de tronc. Ça va être très drastique, mais je pense qu'il faut prendre cette décision pour avoir une conicité, je vais pas dire parfaite, mais une meilleure conicité qu'actuellement. Parce que là, la différence de diamètre entre ce niveau-là et ce niveau-là, on l'a pas. Et ça se remarque tout de suite. Comme on a fait une taille très drastique, on peut se permettre de faire aussi une taille drastique sur le système primaire, comme on l'a fait sur le système secondaire. Donc on va pas perdre de temps, on va effectivement revenir en arrière. Toute cette matière ici qui a été créée par l'arbre avec les tiges, etc., tout ça, ça a permis de faire grossir quand même l'arbre et de consolider son aspect général et les mouvements des premières branches. Par contre, c'est pas une partie qui va rester pour le futur de l'arbre. Donc, comme la dernière fois, je vais aller chercher ma petite scie pliable. Donc là, on rigole plus. Pour cette coupe, je vais la faire à peu près à ce niveau-là. Et je compte effectivement sur cette branche-là ou cette branche-là pour prendre le relais sur la suite. Quand au printemps, il y aura une des tiges qui va potentiellement m'intéresser, je vais essayer de la ligaturer assez tôt pour pouvoir lui donner un mouvement. Je ne vais pas la laisser trop longtemps parce que ça va marquer très très vite. Parce que là, on va sûrement avoir un gros 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 tire-sève. Mais au moins, on aura imprimé la direction. Parce que là, potentiellement, les bourgeons qui vont partir soit carrément comme ça vers la gauche, ou soit vers la droite ou en bas. Et c'est nous, ce qu'on veut, c'est une continuité de tronc. Donc il va falloir un moment essayer de lui dire où aller. Même si on peut toujours revenir en arrière, hein, comme on l'a vu. Donc c'est parti, on passe à la taille. Voilà, j'ai mon petit show-in. Alors d'ailleurs, justement, en parlant de show-in, on aurait pu faire une autre technique. C'est de faire une marcotte à ce niveau-là pour avoir un autre petit arbre. Voilà, donc c'est très drastique. Effectivement, là on a vraiment la base de l'arbre que je veux garder et que je veux développer sur les futures années. Donc là, on a vraiment la base avec le nez barré qui va se construire grâce à la marcotte. On a un gros diamètre qui diminue au fur et à mesure avec un beau mouvement. Et des branches qui sont bien placées avec les premiers mouvements de départ qu'on veut garder. Et quand il va se remettre à pousser au printemps, on va avoir plein de nouvelles branches, de futures ramifications. On va laisser tiger en fonction des diamètres qu'on veut avoir. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça va réagir en haut. Est-ce qu'on aura des plein de tiges autour de la coupe, juste en bas, grâce aux deux branches qui sont restées? Ça, je suis pressé de voir. Et je vous cache pas que je pense que à l'avenir, j'aimerais bien qu'il y ait un bourgeon qui parte sur cette branche et qui parte en fait en haut. Parce que là, on aurait vraiment un super mouvement ici, là, vers la gauche, et ensuite, hop, vers la droite. Et du coup, c'est vraiment... je compte en fait sur ce gros moignon, c'est pour ça que je l'ai laissé. On aurait pu très bien se dire que cette branche elle est trop grosse, on la supprime complètement. Et moi je l'ai gardé parce que je pense que ça peut faire la future ligne de tronc si il y a un bourgeon sur cette branche là qui part vers le haut et qu'on pourrait utiliser. A voir après sur la future taille de structure, on verra si on repart encore plus bas grâce justement à la suite de cette branche qui va pouvoir repartir. Ou alors, est-ce qu'on va continuer en haut si ça réagit bien à ce niveau-là? Et ça, je suis pressé de voir comment il va réagir. Évidemment, je vous montrerai le résultat. Alors, pas forcément pendant que ça pousse au printemps, mais peut-être en été, quand il y aura la petite pause, mais au moins voir ce qui s'est passé. Parce que là, on a les plans de ce qu'il y avait avant et on va pouvoir comparer la réaction. Ça va être super intéressant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet atelier. Moi, c'est toujours des choses qui me plaisent beaucoup parce qu'on travaille vraiment sur la structure de l'arbre. Et c'est vraiment une phase de construction, de création. Et c'est ce qui me plaît le plus dans le bonsaï. Donc on va attendre que ça pousse, voir comment ça va réagir. Et puis toute la future matière qu'on aura, ça va nous permettre de faire encore d'autres choses. Donc je suis assez pressé de vous montrer le résultat. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet. Et faites du bonsaï.
C'est très 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 drastique. On voit vraiment la ligne de tronc. Oui. Ouais, t'es en direct sur une vidéo, mais c'est pas grave.